Bonjour, enfin plutôt bonsoir à tout le monde. Je vais y arriver ce soir. Je vous fais cette vidéo. Alors déjà pour la couverture, l'avancement de la couverture au point granit. Et je voulais vous faire voir. Alors déjà, par le commencement. Avec la laine chenille, je l'avais achetée à la Foire Fouille. J'avais fait, à la demande de mon homme, j'avais fait une écharpe. Oui, au point jersey. Elle n'est pas assez grande à mon goût, mais je lui referai dans la même quantité. J'ai adoré tricoter cette laine chenille. Le jersey. Et l'envers, ça fait ça. Trop beau avec cette laine. Trop douce. Magnifique. Elle a juste un. Pardon, d'accord, qu'elle n'est pas assez, assez grande. Il aurait fallu un peu plus. Donc, je lui en referai une ou je rattrape celle-là. Je relève des mailles et puis je la continue. Je verrai ça. Mais je voulais vous faire voir, mon mari, il adore. Même si elle n'est pas très grande comme j'aurais voulu qu'elle soit. Et c'est aux aiguilles 5 ou 5 et demi que j'ai dû la tricoter. Que j'avais acheté les aiguilles à la Farfouille. Oui, c'est ça. Que j'adore tricoter avec. Et il y a les Bergères de France, mais il y a aussi la Farfouille. Les aiguilles. Que j'aime bien tricoter avec. Les embouts sont bleus, j'aime bien. J'adore. J'ai adoré la faire, sauf que je ne l'ai pas fait plus longue comme j'aurais dû faire. Donc, soit je refais avec ça là, mais oh, il y a un moustique. Mais je relève les mailles et je continue. Oh, ça sera pas. Ouais, enfin aux aiguilles droites ou circulaires, on peut s'en voir. Ou alors je refais une, peut-être avec un autre point, pourquoi pas, sur de la même laine, parce que j'adore tricoter avec celle-là, ou crocheter d'ailleurs l'un ou l'autre. Et j'en ferai une beaucoup plus longue. C'est un cadeau à mon mari, je l'avais fait. Je crois que j'avais fait vers juin ou début juillet, je crois, pour qu'il ait l'hiver. Ma mère, même si on se parle plus, pas comment c'est plus ma mère avec ce qu'elle m'a fait. Enfin, ma mère m'avait fait un pu. Enfin, c'était fait un pull, mais ça ne lui allait pas, je ne sais plus ce qui s'était passé. Elle avait bugué dans les tailles et elle me l'a passé. C'est un pull en crochet. A de la laine 4-5. Alors, je ne sais pas si vous voyez tout, hein. Ouais, 4-5. Très chaud, beaucoup trop chaud. Alors pour l'hiver, impeccable quand il va faire très très froid, impeccable. Ce que je reproche un peu sur ce pull, c'est les manches. Elles sont un peu bouffantes, hein, parce que je sais pas, elle a peut-être mal cousu ou je sais pas. Ça fait ça. Alors quand je le mets, ça fait comme dire. Voilà. Donc, ça me va. C'est juste les manches. Voilà. Et c'est
pas assez long, ça va en dessous de mon ventre et moi j'aime bien quand ça arrive vers les cuisses. Je sais pas. Et l'autre côté, c'est pareil, c'est bouffant. Voilà. Pas qu'est-ce qu'elle a fait. Je sais pas. Donc, je vais essayer de remesurer tout. Soit en tricot, soit je reste dans l'esprit crochet ou dans l'esprit tricot. Je n'en fais pas les mêmes couleurs. Mais je me base sur ce pull, en fin de compte, pour tous les pulls que j'aurai besoin. Et mes vestes au niveau de là. Et au niveau au niveau des emmanchures jusqu'en haut, au niveau des centimètres pour passer les bras qui va jusqu'aux épaules et au col et tout ça. Donc ça me donne des idées au moins pour mon pull, mais je vais le mesurer parce que je sais pas tout le long de mon corps là, du corps du pull jusqu'en bas parce que le problème qui s'avère il va jusqu'en bas de mon ventre et moi ça j'aime pas pour la moitié de mes fesses et tout moi j'aime bien quand c'est plus long voilà mais je suis contente je peux me baser sur un pull qui a été fait main bon, après j'aurais pu prendre celui-là qu'on achète dans les magasins aussi hein, c'est pareil. Mais le fait main m'aide même plus que ce qu'on achète, même s'il y a des erreurs sur les manches et tout, ça c'est pas grave. Ça m'aide beaucoup plus pour avoir au niveau de la laine ma taille. Donc du coup, sans faire exprès à peu près ma taille, je vais faire un petit poil plus large parce que c'était un petit peu boudiner un petit peu vers le bas de ventre, de mon ventre, pas grand chose, hein. Mais un peu, mais pas de beaucoup, hein. Pas de beaucoup. Donc voilà, je vais pouvoir me faire un pull parce que j'avais l'idée après la couverture de me faire un pull parce que j'ai pas beaucoup et j'ai pas très chaud. J'en ai pas des masses. Voilà. Du coup, ça, me faire aussi une écharpe, refaire celle de mon homme dans la même laine chenille parce qu'elle est trop douce, trop super. Je vais en acheter pas mal pour faire enfin, toute la famille, mais à la maison, les week-ends, pas à l'école, ça j'avais compris. Ma fille, j'ai bien compris qu'elle n'en veut pas. Donc, pour elle, je ferai. Pour ceux qui veulent pas d'écharpe, on aura des snogs, mais en laine chenille. Voilà. Et ceux qui veulent des écharpes, on aura des écharpes. Ceux qui veulent des snogs, ben, on aura des snogs. Mais dans la laine, l'esprit de la laine chenille. Voilà, de la farfouille. Donc, voilà à peu près pour ça. Pardon, hein, je suis encore un peu. Alors, ma couverture. Alors, je vais. Ouais, alors, ça va pas trop rentrer dans la caméra parce qu'elle grandit, grandit, grandit. Donc là, je suis sur du rose clair. J'ai fait du. Ah oui, j'ai continué sur du gris, du blanc et le rose. J'arrête pas. Cette nuit jusqu'à.
Oh, facile, jusqu'à midi, j'ai pas pu dormir du tout. Zéro pour dormir, avec une rage de dents, mais il me tarde lundi, là, le dentiste, je n'en peux plus. Enfin, dans la semaine, oh, j'ai trop mal, je n'en peux plus, mais j'en pleurerai, quoi. J'en ai plus. Donc, encore quand j'étais la nuit. Donc, j'arrive plus. C'est de quoi être contente, ça avance. Ça avance. Comme ça, quand j'aurai froid, eh bien je pourrai m'emmitoufler, hop, m'emmitoufler de ma couverture. Voilà. Quoique, il y a peut-être des trous, enfin, du granit, c'est quand même des petits trous. Mais enfin, on n'a pas froid dedans. Ah non, on est bien au chaud. Quand même, malgré tout. Tant mieux, je suis contente. Voilà, alors. Tout bêtement, j'ai retrouvé des pelotes. Non, mais je retrouve beaucoup. Malgré tout. Quand même. Bon, c'est toujours un question. Ah oui, je voulais vous faire voir ça aussi. Ah non, mais je vous l'avais déjà fait voir. Bon, ben, c'est pas grave. Je vous le refais voir. Vaut mieux trop que pas assez. Ça, je sais pas. Bon, je vais peut-être la mettre. Cette pelote de chez Action, bon, ben, elles sont plus embobinées comme elles devraient, les pauvres, mais j'en ai beaucoup utilisé. Celle-là. Qui a du jaune, enfin orange, qui va du jaune, du foncé au plus clair, et qui retombe sur du foncé. Il y a le vert qui va dans ce côté-là qui est un peu plus foncé, du vert clair, et ça retombe normalement soit au clair, soit au foncé. Après, il y a le rose, pareil, du foncé au clair, ça change. Je ne sais plus s'il n'y avait pas un peu de blanc, je ne me souviens plus. Ah, mais enfin, des belles. Et j'ai retrouvé, il n'y a pas si longtemps, cette laine qui va de toutes les couleurs. Alors cette laine, je sais plus si je l'avais achetée à Action ou à la Foire Fouille. Un doute total, je sais plus. Donc je verrai à la Foire Fouille. Si on a un os, ben, je prendrai ou à Action. Je ne sais plus où je l'ai pris. Elle est belle. La matière de la laine, elle est belle. Elle va de toute façon du plus. Ouais, non, mais là c'est du plus foncé au plus clair. Et donc, il y a du clair, il y a du foncé, enfin, ça change à chaque fois. Il y a du violet au plus foncé, mais vraiment foncé, hein, jusqu'au clair. Il y a du bleu, il y a du violet très très clair. Après, il y a un peu de vert. Un peu de gris, vraiment, voilà. Donc je voudrais aussi la mettre un peu. Et ben voilà. Alors là, je suis, je sais même pas où je l'ai mise. Ben, ah, elle est là. Comme je vous ai dit, c'est le rose clair là que je suis actuellement sur ma couverture. Après. Après, excusez-moi, j'ai tout à côté de moi, mais je n'ai pas forcément préparé parce que j'ai voulu aller le plus vite possible pour me rejoindre.
Voilà. Par ordre. Ouais, peut-être. De faire un... Je sais pas comment je peux. Le rose avec la multicolore. Après le rose plus foncé, le vert. Et je rattaque. Voilà. Je me suis parée avec plein de couleurs de 4, 5 et tout. J'en ai quand même encore un peu pas mal. Et après, bah, ce sera 3, 3,5, 3, 3,5, 4 aussi, comme je vous avais dit. Qui apparaît sur ma couverture, c'est pas gênant parce qu'on le voit pas forcément entre le 4, 5. Voilà, ou le 6, comme ça. Donc voilà. Après, alors je vais tout ranger de l'autre côté. Après, il n'y a pas longtemps. Oui, il n'y a pas longtemps, c'était hier. Oui, c'était hier, oui. Mon mari a fait 2-3 courses au petit Leclerc Drive et sur les courses du Drive qu'on a pris, ils ont offert un catalogue de recettes. Celui-là. Je sais pas si. Dans toutes les villes et régions, ils font ça. L'arrière. C'est des cadeaux qu'ils font. Dès que vous faites des courses au Drive, ben, ils vous font ces petits cadeaux. C'est plus que gentil. Dans toutes les recettes que vous aurez un peu sur le petit livre, il vous faut ces ustensiles. Pour le tout, hein, je parle de toutes les recettes qu'il y a sur ce petit catalogue. Petit, ouais, catalogue, carnet, cahier. Donc là, il y a la crème anglaise. Ben, je vous fais voir le nom. Après, il y a la crème pâtissière. Après, il y a la crème d'amande. Alors, je le fais un peu loin pour pas qu'on voie trop. Parce que les recettes de cuisine, je pense que c'est pareil comme les catalogues, pour pas trop faire voir. La crème chantilly. Alors, je vous avoue que là, ça donne envie, la chantilly avec des fraises. Bon. Après, hop, ah oui, un peu. La ganache au chocolat. Voilà. Après, il y a le caramel au beurre salé. Voilà. Après, on passe aux pâtes. La pâte feuilletée. Après, la pâte sablée, que j'ai envie d'essayer avec mes enfants. Ce serait pas mal. Au contraire. Après, il y a la pâte à choux. Ah, évidemment, pour la pâte à choux, il faut quand même des ustensiles. Mais bon, ça m'a pas trop l'air compliqué. J'adore la cuisine, donc ce n'est pas une. La cuisine n'est pas non plus la grande passion comme. Mon tricot, mon crochet, mon tricotin. Mais j'aime bien. J'adore cuisiner. J'ai travaillé dans les restaurants et tout. Et avant d'avoir des problèmes de santé,
Et c'est vrai que j'aime bien. Je dis pas que je sais tout faire, mais j'aime bien. Après, il y a la génoise. Après, il y a la meringue. Non, c'est pas tout. Des macarons. Pardon. Oh. Et c'est tout. Pardon. C'est déjà pas mal. Donc, voilà. Ce que je voulais vous faire voir. Après, pour l'idée du pull, j'ai vu. Je ferai voir ça demain ou mardi. Parce que demain on est lundi. Enfin, demain ou mardi. Et je vous ferai voir parce que, comment je vais aller chez Noz, et c'est des fois il y a des nouveaux catalogues, qui, ça me plaît autre chose, on sait jamais. Mais. Autrement, j'avais repéré sur mes patrons, mes catalogues, un ou deux pulls que j'aimerais faire. En me basant sur le pull que ma mère m'avait fait pour les dimensions. Mais avec quelques centimètres de plus, ce serait pas mal. Pas de beaucoup, mais un peu. Alors, pour moi, ça sert un, pas trop en bas du ventre et des manches. Enfin, voilà. Et voilà. Après, mais le pull, après la couverture. Ou alors, si vraiment j'entame le pull en même temps que la couverture, j'en ferai un coup l'autre. Je me débrouillerai de toute façon. Quand on aime tricoter et crocheter, ben, on se dépatouille toujours. Voilà. Puis j'en ai vu pas mal qui sont des ouvrages, plusieurs ouvrages en cours. Donc le premier fini et le premier montré. Donc voilà quoi. Donc voilà. Et mais après, j'ai aussi ma veste à finir. Qui est en attente, j'ai le châle au crochet qui est en attente, qui est pas tellement prioritaire, mais il faut quand même le finir, je l'ai commencé. J'avais envie aussi de faire des tapis. J'avais aussi, mince, vous savez, il y a des petites ferrailles rose et orange doré là que j'avais, que je savais pas quoi faire. Il est maniable comme tout. Je vais pouvoir avec le tricotin faire des bandes avec. Et avec ce ferraille, ce ferraille, oulala, ce fil de fer, je vais y arriver doré ou le rose. Je prends, s'il y en a 5 mètres, je rentre dans tous les centimètres que j'aurai fait. Après, je coupe. Et je vais faire des formes de cœur pour parce que j'ai envie. Et pour faire des petits cadeaux. Voilà. À mon mari, ben, ce sera un cœur avec moi. Et pour mes enfants, je vais essayer de faire leur prénom avec. Et comme ça, ils pourront l'accrocher sur leur porte de chambre. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Et les tapis. J'en ai vraiment besoin de tapis. Pour les chambres, pour la salle à manger, pour la salle de bain, enfin, un peu partout. Donc voilà. Et puis c'est tout, je crois. C'est déjà pas mal. Donc, hein?
C'est pas mal ma couverture. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est belle. Quand on n'arrive pas à attraper avec le crochet, c'est pénible. Elle est belle. Là, j'avais fait un peu, que ça soit un peu dans le foncé, enfin, ouais, à peu près, on va dire dans le foncé, pour après attirer, et là aussi, pour après attirer sur du clair, après je rattaque un peu sur le foncé, après je rattaque sur du clair. Et je trouve ça sympa de changer un peu. Voilà. J'aime bien. J'adore. Toutes les couleurs comme ça, j'adore. Même si j'en ai marre de changer de fil, parce que j'ai pas tout en multicolore. Et le granit, hein, parce que j'en ai fait pas mal ces temps-ci, du granit. Mais bon, ça va, ça va. Je vais la finir, la couverture. Dès que j'ai fini la couverture, ben, je ferai petit à petit tout le reste. Puis après, il y aura toujours des nouveautés de toute façon. Voilà. Ben, je crois que c'est à peu près tout. Demain. Voilà. Demain ou mardi, dès qu'on a fait les grosses courses d'alimentation et de laine, de tricot. Pour mon tricot et crochet, enfin de laine, de catalogue, enfin tout et tout. Et je ferai la vidéo et j'essaierai aussi de me prendre pour faire du canevas ou de la broderie. Je vais voir ce qu'il y a parce que je connais pas le magasin Noz. Donc, je ne peux pas vous dire. Voilà. Donc, je verrai. Voilà. Donc, je pense que c'est à peu près tout ce que je devais vous dire. Et demain, je vous ferai voir mon fameux meuble que je mets sur mon lit quand je fais mes vidéos. Et après, je le remets par terre. Qui a roulette, qui n'est pas du tout lourd, qui est très léger. Et vous êtes entre deux étagères. Mais j'ai énormément de place comme ça pour. Ben déjà sur le lit, oui, j'ai de la place. Mais pour attraper, quand je range sur mesure, je peux attraper au moment de. Quand je fais mon travail. Parce que de toute façon, je vais être obligée à un moment ou à un autre à aller sur le lit pour projeter la couverture. Parce qu'à un moment ou à un autre, ça ira plus trop sur la table parce qu'elle sera trop grande. Et si je veux bien la projeter tranquille, à un moment donné, on pourrait être beaucoup plus à l'aise dans mon travail de la couverture, j'irai sur le lit. Voilà, puis ça me permettra de regarder un peu où j'en suis, prendre des mesures sur le lit justement, avec la couverture et de voir où j'en suis. Voilà, ben, du coup, je crois que c'est bon. Ce que je n'ai pas tout montré aujourd'hui, je vous le montrerai demain ou mardi, mais je pense que mon mari, est-ce que j'ai entendu dire que demain ça pourrait être bon, donc tant mieux, je suis contente, ça me presse. Voilà. Et je vous fais des gros, 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 gros bisous, des gros petous. Je vous adore, mes abonnés. Et continuez à vous abonner si vous aimez ma chaîne. Je vous remercie pour les commentaires qu'on me laisse, très gentils. Ça m'encourage, ça m'aide énormément. Ça me fait du bien. Et comment dire, ça me fait de l'assurance et de la confiance en moi.
que je n'avais pas. Donc, quand je vois que les abonnés restent et continuent à monter et qu'ils restent, ça me fait du bien. Je me dis que, en fin de compte, tout ce que je fais n'est pas, je veux pas dire nul parce que c'est méchant, mais que ça intéresse quand même des gens. Et ça me fait du bien et ça me rassure. Voilà. Donc, je vous fais des gros, 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 gros bisous. Je vous souhaite une énorme. Non, je suis fatiguée, hein, ne vous inquiétez pas. Une bonne soirée. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Et je pense qu'il y aura des gros achats. Et voilà. Et je vous ferai voir aussi l'avancement de la couverture. Donc demain sera peut-être un peu plus long qu'aujourd'hui, ce soir, la vidéo. Mais c'est normal parce que s'il y a des gros achats, le temps de vous présenter mes achats, l'ouvrage, où ça en est, patati, patata, voilà. Ça va mettre un petit peu plus de temps, comme tous les débuts du mois. Donc, je vous laisse et je vous fais des gros gros bisous. À tous mes abonnés, tous et toutes. Allez, bisous, à demain pour la prochaine vidéo.